Étudiant-étudiante, étudiant-étudiante, des universités, des écoles supérieures, écoles d'ingénieurs, maths sup, maths spé, je vous présente encore des exercices concernant les intégrales et primitives. Alors, calculer les intégrales, comme vous voyez bien. Alors, la première de 0 à x, 1 sur 1 plus exponentielle et, racine carrée, dt. Changement de variable. U égale racine carrée de 1 plus exponentielle de t. Alors, si je prends la dérivée, ce sera 2u égale exponentielle de et dt sur 2 racine carrée de 1 plus et. J'accélère le dt, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc 2 racine carrée de 1 plus dt sur et du. Je remplace. U2, c'est 1 plus ET. Donc ET est égal à U2 moins 1. Alors je remplace DT. DT égale 2U DU sur U2 moins 1. Je vais le remplacer ici. Alors, ça va donner 1 sur racine carrée de 1 plus ET, exponentielle dt, c'est sur U par 2U DU sur U2 moins 1. Je peux simplifier le U. Il me reste 2 DU sur U2 moins 1. Alors, 1 sur U2 moins 1, je peux donc décomposer en éléments simples. U moins 1 plus B, U plus 1. C'est-à-dire A facteur de U plus 1 plus B facteur de U moins 1 sur U2 moins 1. Qu'est-ce que je remarque? Je peux donc mettre U en facteur, c'est A plus B plus A moins B. Sur U2 moins 1. Si j'identifie. Si je fais l'identification, U2 moins 1, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que A plus B, c'est le coefficient de U, A plus B égale 0, et A moins B égale 1.
un système à deux équations et deux inconnues. Je fais donc la somme. Ça me donne A égale 1 demi et B égale moins 1 demi. Je remplace 1 sur U2 moins 1 est égal à 1 demi de 1 sur U moins 1 moins 1 demi de sur U plus 1. Alors, comme 0x 1 plus exponence de t racine carrée est égal à 2 du sur u2 moins 1 est égal à 2 moins 2 sur 2 ça je sais le calculer, c'est la primitive de logarithme de u moins 1 valeur absolue et ici moi logarithme n'est pas rien de u plus 1. Je remplace U, ça me fait logarithme de racine carrée de ET plus 1 moins 1 moins logarithme de racine carrée de exponence de T plus 1 plus 1. Mais si je lui applique de 0 à X, qu'est-ce que ça donne? Ça va faire log de exponentielle de x plus 1 moins 1 moins logarithme de moins 1 moins logarithme de exponentielle de x plus 1 moins logarithme de racine de 2 plus 1. Ça va donner donc de 0 à x 1 sur 1 exponentielle de t dt égale logarithme n'est pas rien de x plus 1 moins 1 sur racine carrée de exponentielle de x plus 1 plus 1 moins logarithme n'est pas rien de racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Voilà. Ça, le résultat.
Je vais passer à l'exercice suivant. B. Je vais passer à l'exercice suivant, B, 2, 1, 2, 2x, 2, alors je vais utiliser donc l'intégration par partie, donc je vais utiliser U' égale x2 u égale x3 sur 3, v égale logarithme n'est rien de x, v prime égale 1 sur x. Donc je dis que x2 logarithme de x dx est égal à uv logarithme de x mais variant de 1 à 2 moins uv prime. Uv prime, c'est-à-dire après simplification, ça va faire 2 fois 2, 5 fois 2, 8. 8 tiers log de 2 moins 1 tiers de 8 tiers moins 1 tiers. C'est-à-dire 8 tiers. Log n'est pas rien de 2. 8 tiers moins 1 tiers, ça fait 7 tiers. Donc, moins 7 tiers. Voilà. Le résultat final. Je vous remercie de votre attention.